On va boire. Putain, mais je vais crever, moi. Et ça lui fait quoi, le spray? Non. Il est équipé comme un soldat aussi. Oh la vache. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est long. On va attendre qu'il tape. Voilà. Pas de critique, rien, il a une défense de fou. Il se protège quand on lui balance des grenades. Il se protège aussi en fait quand on lui fait de la mitochondria. Enfin, pas de la mitochondria, quand on lui fait des parasites énergie. C'est pour ça que c'est très chiant. Après, il est pas dur, mais. Vu qu'on est très limité en armes. Parce que là, si on avait un fusil à pompe, bah c'est bon quoi. Un truc qui est bien, c'est que au début du jeu, on peut avoir un fusil à pompe. Bon, il est pourri, c'est le PA12, un truc comme ça, un truc. Enfin, je sais, PA4, un truc comme ça, PA3. Il n'y a que 3 cartouches. C'est un fusil à pompe du pauvre quoi. Il n'y a vraiment que 3 cartouches. Mais le truc, c'est que dans ces conditions-là, il deviendrait utile. Surtout par exemple en bounty mode avec les golems dès le début, un fusil à pompe c'est le bienvenu quoi. Là je me dis peut-être que j'aurais dû prendre un peu de MP pour augmenter. En fait il faudrait qu'on s'augmente l'attaque. Bon j'ai pas débloqué encore la magie mais ça aurait pu être une solution. Par contre là, on est un peu bloqué. Ouais. On va voir si on peut. Oh la vache. Ok. On va faire ça. Oh, le con. Attends, j'étais pas prêt. On va tirer quand il tape. Ouais. Je pensais que s'il faisait ça, peut-être que ça allait marcher aussi. Vas-y, fais voir. Ok. Comme ça. Par contre, là, on voit rien. Ça c'est la merde. Je suis en train de me dire ça va peut-être plus vite avec le flingue. Je sais pas. Je sais pas, c'est entre dégâts de merde et dégâts de merde, donc vous faites votre choix. Allez, t'es un peu trop près.
Non, putain, ça l'a bloqué. Ça fait longtemps que j'ai pas galéré dans le jeu. Ça fait longtemps. J'avoue que là, c'est assez hardcore. Le mode Nightmare, ça va être horrible. Mais après, je pense que le mieux, ça serait... mode Nightmare, c'est de pas faire tous les combats. Moi, je vais le faire, je vais tester, mais... Je pense que le mieux, c'est d'éviter certains combats. Oups. Allez. On a bien fait quand même de prendre le lance-grenade. Après, on a des grenades de merde. Hein. On n'a même pas des grenades normales. Quoi. Pour les grenades, il y a aussi trois types de grenades, si je me rappelle bien. Il y a les... Celles qu'on utilise. On va repasser au flingue, parce que je crois que le flingue, ça va plus vite. On a trois types de grenades. On a les normales, tout simple. On a les riottes, donc celles qu'on a, les flashs, je crois. Et après, on a les explosives. Les explosives, elles sont cool parce qu'elles font un... Elles ont un rayon d'action assez grand, donc elles peuvent toucher plusieurs cibles à la fois. Alors que les grenades normales, elles peuvent pas toucher plusieurs cibles à la fois. Même si, dans un sens, c'est une grenade, ça fait une explosion, il y a une déflagration, mais... Ça touche pas plusieurs cibles. Ouais, c'est quand même mieux de tirer au flingue, je crois. Oh mon Dieu. C'est horrible. Encore heureux qu'il est pas dur, parce que sinon on pourrait se refaire tout le combat, mais laisse tomber quoi. J'ai peur qu'on soit un peu proche là. Bon, il devrait bientôt tomber là quand même, attends. Ça va faire quoi? 5 minutes? C'est marrant parce qu'il a la même armure que ce qu'on a, je crois. Sauf qu'il a un peu la meilleure arme du jeu. Voilà, la Gunblaze est quand même une des meilleures armes du jeu. J'avais même pas moi remarqué qu'il avait une gunblade. Au début, je pensais que c'était juste une machette, mais c'est vrai que en fait c'est la gunblade du jeu. On voit, il y a le barilé et tout ça. Et puis après, on peut la débloquer cette arme plus tard. Genre, on peut taper ou tirer avec la gunblade, c'est cool. C'est un peu comme dans FF8. Mais le truc, c'est que quand on tape aussi, à l'impact du coup, on peut tirer en même temps. Et là, en fait, ça décuple le dégât quand ça tape, en fait. Ça décuple les dégâts, c'est énorme. Et en plus, c'est influencé par le type de munitions, de cartouches que vous équipez. Donc, par exemple, si vous prenez un golem, et le golem, il est faible contre des cartouches perçantes, et que vous tapez et que vous déclenchez en fait le tir avec des cartouches perchantes, mais le truc il prend genre 5000 dégâts quoi, c'est un truc de fou, c'est énorme, c'est super drôle. Oh mon Dieu, comment c'est long. Oh mon Dieu, c'est fini. C'est énorme. Fou. Boop, 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 boop
Et là, ça fout la merde. Et là, en fait, je sais pas trop vraiment ce qui se passe au final. Je sais que ses pouvoirs se sont décuplés en fait à cause du fait qu'il a il ait parlé de Eve. Parce que dans le premier Parasite Eve, c'était à cause de Eve qu'elle avait essayé de détruire New York, etc. Et les pouvoirs viennent de là. Et là, en fait, ses pouvoirs se sont décuplés à cause de ça. Et ce qui est marrant, c'est... Ah, mais quoi que dans un sens, maintenant que j'y pense, c'est vrai que Eve, elle avait les pouvoirs, elle a immolé des gens, en fait. Pyrokinésie. En faisant de la pyrokinésie. Et c'est vrai que là, dans un sens, elle fait pareil, Aya. Donc oui, c'est un clin d'œil assez sympa. Ouais. Bon, là par contre, on voit des images de Eve, mais c'est pas très très intéressant. Oui, ça c'est la nouvelle Eve. Il faut suivre un peu. Ah, c'est la nouvelle, la petite fille. Elle a endormi. Qui est-ce ? On dirait qu'il est bourré, Madigan. On dirait qu'il titube un peu quand il marche. Allez. Elle est stylée quand même. Franchement, on avait un perso super stylé quand même. Aya Brea, elle est cool. C'est un personnage fort, charismatique et tout ça. Et si vous prenez le troisième jeu, c'est horrible. C'est horrible. Elle devient pas intéressant. Ils ont même une mécanique. Genre, elle a plusieurs vêtements. Elle met des vêtements. Et plus elle se prend des coups... Et plus ses vêtements s'abîment, donc à la fin, genre, elle finit en petite culotte et en soutif. C'est... Pourtant, je suis pas là à dire que c'est dégradant. Parce que, bon, moi, j'aime bien filles en bikini, tout ça, ça me plaît, moi. Et jamais, je pense que j'ai dû dire, ouais, je trouve ça dégradant. Mais là, c'est insultant, plutôt, en fait, pour le personnage que c'était. Parce que Aya Brea est plutôt cool. Et là, il la transforme vraiment en... En personnage non intéressant, juste là pour vu que c'est une fille, enfin c'est une femme jolie, juste pour montrer son cul et tout, c'est... Enfin bref, c'est pourri quoi. Et y a même le docteur qui nous aide, c'est devenu un gros pervers dans le 3, c'est n'importe quoi. Tous les personnages ont changé en fait. Tous les personnages ont changé. C'est un truc de malade, c'est énorme. C'est énorme comment on peut changer toute une histoire, quoi. Et faire en sorte que les personnages deviennent tout pourris. Voilà. Genre, pas intéressant. Bon, maintenant, Madigan est avec nous. Oh, mon Dieu. Ça me rend triste. Voilà, ça me rend triste de repenser à tout ça. On va remettre... remettre ça... Ok, on est bon. Eh, hey, Madigan. On y va. Alors, j'avoue que Madigan est plutôt costaud quand même. Il tire vite. Il fait mal. Il est rapide. Bon, par contre, il a que 100 HP. Alors, je l'ai jamais vu crever. Dans un sens, j'ai envie
de tester cette partie un moment, parce que vu que c'est dur, j'ai envie de le laisser combattre. Mais logiquement, je pense qu'il peut crever, quoi. Mais je l'ai jamais vu crever. Et je pense qu'après, on a un game over. Mais il est très très fort, Maïgan. Il a de très bonnes armes. Alors par contre, tout a été repeuplé. Alors, on peut pas faire le tour de la ville avec Maïgan, faut pas exagérer. J'ai déjà voulu tester. Mais on peut pas. Parce qu'à un moment, il va nous dire, non mais ta voiture, elle est de ce côté. Parce que là, en fait, il veut qu'on aille à la voiture. Pour qu'on aille au shelter, en fait. Il veut qu'on aille à la voiture pour le shelter. Parce qu'on lui a dit qu'on avait la voiture disponible, etc. Donc c'est ce qu'on veut faire. Mais voilà, on va avoir une belle surprise. Le mec, il hésite pas. Hein. Moi, c'est ça que j'aime bien. Le mec, il hésite pas. Franchement, c'est une bonne intelligence artificielle parce que il se met pas trop devant les ennemis, etc. Il esquive pas. Hein. Il esquive pas automatiquement. Hein. On n'est pas là, mais il est bien, quoi. Il tire vite. Il va devant les ennemis. Il tire dessus, quoi. Il va au contact des ennemis, c'est ça que je veux dire. J'aime bien comme il recharge. Il garde le flingue à l'avant. C'est sympa. Par contre, on a le chemin en dessous. Je voudrais bien qu'il vienne, mais normalement, je crois qu'il va dire la voiture, elle est pas de ce côté, si je me rappelle bien. Ou il va dire où je t'attends là. Wow, there, where are you going? Ouais, il nous dit, il nous demande si on a. Si on a garé notre car, enfin, notre voiture. Ouais, on peut pas faire le tour de la map. C'est con. J'aurais bien voulu. Oh, surprise. Des gremlins. Avec le pointeur laser, c'est top. Et ce qui est étrange, c'est que son arme, Maïgan, on va la récupérer, son arme, après sur un boss. Mais le truc, c'est que son arme, elle a un silencieux. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de silencieux, là. Enfin, c'est bizarre. Là, par contre, eux, c'est bien, parce que quand ils sautent, quand ils nous sautent dessus, donc ils sont sur le point d'attaquer et de nous faire des dégâts, si on leur tire dessus à ce moment-là, ça fait un critique automatique, c'est pas mal. Ça fait pas mal de dégâts, en plus. Bon, Maïgan, il les massacre, lui. Hein. Lui fait des critiques à 50, des fois. Oh la vache. Tu vas te calmer, Maïgan. Cette scène est marrante. Oh la vache. C'est marrant. Bon, par contre, le coffre a pas été touché, donc on peut encore récupérer les armes, les munitions et tout ça. C'est pas ça, c'est le coffre. Alors... Belt pouch, non. J'ai envie de prendre pas grand chose en fait. Si jamais on trouve un fusil à pompe, je pense que j'augmenterai la veste. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'utilité à augmenter la veste. Peut-être qu'on va trouver mieux en fait. Ouais. Là, on va sauvegarder. Ah oui, parce qu'il faut appeler... Enfin, on n'a pas obligé, mais... On peut leur dire, hey, on n'est pas mort. Parce que bon, il faisait jour.
Ah non, le téléphone a été coupé. Ah, il faut aller à la... comment ça s'appelle? À notre chambre. Oh la vache. Ça va. Tourne. Et comme je disais, ouais, le flingue de Madigan, donc il a un... On va d'abord aller sauvegarder parce que faut que je fasse une petite pause moi. Et après on continuera. Donc on va directement aller à l'hôtel. Enfin à notre chambre. Ouais, le flingue de Madigan, il a un silencieux. Aucune logique de pourquoi il a un silencieux, quoi, je sais pas. Après il est bien. Je crois qu'il a un flash. Au lieu d'avoir un point rouge, même ça change. Normalement, il a un point rouge. Mais là, il a un flash. C'est très très bizarre. Alors, attendez, on va faire ça. Ah, bien, 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 bien. Oh putain. Ok, ça va. Putain, je... J'ai du mal, hein. Vivement qu'on récupère des meilleures armes, parce que là j'ai un peu du mal en fait. Vu qu'on est très très limité en magie, les flares sont cool, les flares on va peut-être les garder, on va peut-être en acheter d'autres. Quand on pourra. Les flares, les pepper spray, tout ça, c'est utile maintenant, c'est vachement utile. Qu'est-ce qu'on avait laissé là? Rien? Non, on avait rien laissé. Ok, on va dormir. Enfin non, on va pas dormir, on va sauvegarder. Ah, c'est Jody qui nous répond. Jody, c'est celle qui nous vendait les armes. Alors, nous sommes de retour. Et j'ai un doute sur ce qu'on était en train de faire. On était en train de... Je crois qu'on était en train de vider. Ouais. Il faut vider... Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Maybe I could borrow Mercedes Douglas truck. Ok, on doit aller voir Douglas, apparemment. Ah oui, c'est vrai. On avait fini avec Madigan et tout ça. On avait vu que notre voiture était défoncée, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire le tour du village, enfin de la ville, et on va aller au sous-sol aussi, et on va bah, tuer tout le monde. Et on va se débrouiller comme ça. En armes, nous avons toujours notre flingue, notre nouveau flingue, le P08. On a le grenade. Et là, pourquoi j'ai rien? Sûrement parce que j'avais foutu quelque chose, je sais pas pourquoi. Voilà. On va passer de ce côté. Attendez, faites-moi voir la map. Et ouais. Ok, c'est bon, on est bon. C'est pas mal dans le jeu aussi, on peut jamais être perdu, quoi. C'est bien. Par contre, ça c'est emmerdant. Il y a quelque chose là-bas ou pas? Attends, oh mon dieu, combien il y en a? Ah. C'est un peu con. Non, ça va. On est tranquille. J'aime bien le... Les critiques sont quand même bien, les critiques sont vraiment cool. On est d'accord que... Par contre, il n'y a personne, ouais. Je regarde sur le water tank, là, le réservoir d'eau, parce que des fois, il y a des choses. Je crois qu'à un moment, il va y avoir des bestioles qui volent, donc il va falloir le vider aussi.
On va aller là. Par contre, c'est dangereux ici. J'aime pas cet endroit, putain. Ok, c'est juste des chauves-souris. Mais merde. C'est bon. Alors, un truc que j'avais déjà dit, faites attention quand vous êtes en combat, que le combat finit et par erreur vous essayez de sortir de la zone pour aller plus vite en fait, et que le combat en fait a pas vraiment enregistré qu'il était fini. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois d'aller trop vite en fait, et du coup elle s'enfuit du combat en gros. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Ah merde. Oh la vache, ma vie quoi. Vous avez vu que quand il me sautait dessus, je faisais des critiques. C'est pas mal. Le flingue. Ce flingue là, faut avouer quand même qu'il est, il est bien. Il est bien. Il est bien. On va dire que les critiques, ça compense. Oh, il y a des glouglous. Ça compense la rapidité en fait. Là, par contre, faut faire gaffe, parce que ça pète, ça fait mal. Voilà. On va trouver une nouvelle bouteille qu'on connaît pas. C'est une bouteille d'Evian, voilà, qui remet 100 MP ou alors tous les MP. Donc ça, c'est bien. On va encore utiliser... Je me demande si ça revient. Non, il n'y a rien d'autre. Pour faire une... pardon. Je recommence ma phrase. Pour faire une petite parenthèse. En ce moment, je joue à Battletech, tout ça. Enfin, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça me saoulait trop. Il y a bien quelqu'un, là. Je crois qu'ils sont au-dessus, non ? Ouais, ils sont là. Voilà. Là, ça va nous prendre pas mal de MP, c'est cool. Enfin, nous redonner pas mal de MP. Voilà, très bien. Très bien. Et je disais, je parlais de Front Mission 3, tout ça, là. Et franchement, j'ai vraiment bien envie de... Oula, le piège. J'ai vraiment bien envie de... Oh la vache, on part. De me relancer dans un front mission. Ok, ça leur fait. Ça les paralyse. Ok, cool. Oh, bien, 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 bien. Ça, c'était cool. Ça, c'était bien joué, là, le coup du... de les paralyser avec la lumière. Enfin, le flash. J'étais content. Là. Et, parce que... quand j'avais recommencé, là, quand j'avais déjà expliqué, moi, j'ai l'émulateur aussi sur le téléphone et tout ça, j'avais recommencé Front Mission 1, mais je l'ai toujours pas fini sur le téléphone, en fait. Enfin, sur l'émulateur. Et je sais que si on le refait, on garde des habilités qu'on a débloquées avec les autres personnages, en fait. Donc, mais voilà, je suis en plein milieu de l'histoire, quoi. Attendez. Oh la vache. Attendez, parce que là, je pense qu'ils sont trop près. Ok. Voilà, on peut respirer, je pense. C'est assez chaud quand même, hein, ce système là. Là, ce qu'on est en train de faire. On va soigner. C'est assez stressant parce que je sais qu'à un moment,
qu'on va tomber dans l'arc. Putain, on va en chier hein, si c'est comme ça à chaque fois. Mais bon, on aura plus d'armes, donc ça va, mais... Ça reste quand même bien bien chaud. Enfin. Et mon truc, enfin mon idée, c'était de... Mon idée, ça serait de... Je voulais peut-être continuer un peu Front Mission 3. Mais, genre, continuer quand on est quasiment à la fin du jeu. Enfin, oh la vache. Enfin, pour la chaîne, hein, je parle. Ils sont où, les autres? Genre, pour faire un let's play sur ma chaîne. Genre, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de commencer un jeu quand on est quasiment à la fin et continuer tout ça juste parce que j'ai envie de le faire en vidéo? Ça n'a pas trop de sens. Donc je me disais peut-être... peut-être on devrait passer au 4 ou au 5. Parce que les 4 et le 5, je les ai pas fait en fait. Enfin, je les ai fait, je les ai commencés. Mais je sais pas si j'avais déjà expliqué ça. Avant que j'ai un meilleur PC, j'avais testé. J'ai vu qu'il y a une lampe, une fenêtre là, mais j'ai jamais regardé si, si elle voyait quelque chose à travers la fenêtre. Et du coup, en fait, sur l'émulateur, il laguait un peu le jeu. Donc, j'ai jamais vraiment continué parce que c'est sur PlayStation 2, c'est pas sur PlayStation 1 en fait. Et j'avais un peu de mal. Elle voit rien apparemment. Et j'avais un peu de mal de les faire tourner donc. Vous voyez les animations des fois qui lag un tout petit peu, enfin c'était pas horrible non plus, hein. C'était jouable, hein, mais du coup bah j'avais pas vraiment envie de continuer quoi. On va aller en bas d'abord pour finir la zone et après on va retourner. On va voir le mec. Ce qu'on peut faire avec lui c'est ça. Voilà, pas mal. Et du coup, ouais. Je me suis dit, eh, tiens, pourquoi pas se lancer dans le 4 ou le 5? Alors, faut voir si lequel est le mieux. Parce que je sais que le 4 ressemble au 3, mais je sais que le 5... Oh putain, encore des trucs. Pff, putain, on peut pas aller de l'autre côté. Oh, vache. Ah, ils sont... Je crois que ça, c'est parce qu'il y a la lumière. Je crois que là, ils ont peur parce qu'il y a la lumière. Parce que si on avait laissé éteint, ils seraient à nous attaquer, là. Ils seraient là à nous attaquer. Mais c'est des gremlins qui sortent sûrement que la nuit, hein, si je me trompe pas. Et ouais, je voulais dire qu'il y a un peu de gestion apparemment dans le cinquième, si je me rappelle bien, genre gérer un peu les soldats, tout ça, parce qu'on est dans une armée, il faut aller dans plusieurs bâtiments, etc. Enfin voilà, c'est un peu... Bah, au final, Battletech a beaucoup repris ça, quoi. Mais, donc ouais, peut-être faire un playthrough du 5, pourquoi pas. Genre comme ça, pour m'amuser. Je sais que ça va pas faire de vue, hein. Le fait que les gens sont plus vraiment intéressés par ce genre de jeu, mais moi ça me plaît. Et puis j'aime bien en parler pendant que je joue. Et voilà. C'est ça qui m'embête maintenant. J'ai pris une habitude de parler de choses pendant que je joue. Donc des fois, bah, enfin, je le fais en vidéo, quoi. Ce qui est emmerdant, c'est que des fois, si je le fais pas en vidéo, j'ai pas envie d'y jouer. C'est bizarre, hein. C'est un peu étrange. Mais bon. C'est tellement des bons jeux.
Maintenant, on va retourner voir Dougie. On va retourner voir Dougie. On va lui expliquer notre problème. Lui dire qu'il nous faut, une ride. Il nous faut une voiture. Et du coup, bah, on va devoir... Où tu vas ? Du coup, on va devoir prendre le jerrycan, etc. Non. Merde. Voilà, bien. J'aime bien ce côté un peu RPG. Parce que là par contre, j'avoue que dans ce mode de jeu, la façon dont je joue, on voit un peu le côté RPG. On voit beaucoup même le côté RPG. Genre paralyser, se soigner, etc. Changer d'arme parce qu'on a paralysé la personne. Là putain, ça sort bien là. Là, le... Voilà, là, on le sent bien, le côté RPG. Très bien. Par contre, j'espère qu'il aura quand même des armes. Alors là, c'est à ce moment-là que... Je crois que Douglas, il nous dit... Ah, je suis allé récupérer des armes et tout ça. Il en aura plus. Donc, il aura le M4A1. Je pense... Ou alors, il l'a déjà avant. Je sais plus trop. Enfin, il a des nouveaux jouets. Ce serait bien qu'il ait quelque chose de plus, là. Show me your gun. Tell me about the shelter. Ok, il n'y a rien de spécial. Et est-ce qu'on peut avoir ta voiture? Voilà, là, elle lui explique. Donc, on a eu la clé. Alors, attention, c'est pas la clé de la voiture. C'est la clé du lobby. Et dans le lobby, il faut récupérer un passe-partout pour ouvrir, en fait, toutes les chambres de l'hôtel. Et après, il faut aller au-dessus. Et au-dessus, là, la salle tout en haut, là. Il va avoir le jerrycan pour la voiture. Bah, c'est un peu compliqué quand même, tout ça pour ça, mais... Ah, merde, il a rien de nouveau, quoi. T'as vraiment que dalle, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est le... C'est le boss, en fait. Parce qu'il va avoir un boss. Mais du coup, je pense qu'on va devoir utiliser énormément d'expérience pour débloquer les magies, enfin les parasites énergie, qui vont nous permettre de faire des dégâts en plus, baisser la défense du boss, etc. Je pense qu'on va devoir utiliser ça énormément. Et du coup, je pense qu'on va utiliser ce flingue-là avec les hydras. Donc les hydras, on va les garder de côté. Faut qu'on aille récupérer des munitions aussi. Putain, il y en a partout de ces trucs. Oh la vache. Oh. Waouh. Le truc qui m'a tué en deux coups, quoi. En plus, c'est con parce que, en fait, je me suis auto-suicidé là. Enfin, je me suis suicidé, c'est auto-suicidé, ça se dit pas. En gros, l'animation, elle est lente, les deux animations d'attaquer. Mais j'ai reset son positionnement parce que je lui ai fait mon attaque à moi. Genre,
l'attaque parasitive, là. Parasite énergie. Donc il a pu taper deux fois vite. Très extrêmement vite. Bon, bref. À tout de suite, on se retrouve.